Annie. Oh, Mimi, entre les clients et les 75 milliardises à la pêche pour le festival des milliardises, je suis débordée. Besoin d'aide? Ce qu'il faudrait, c'est deux filles comme moi. Le moment que j'attendais est enfin venu. Voici le gâteau Factor 6. Cool, attends. Le gâteau Factor? Qu'est-il arrivé au modèle 1 à 5? Pour ça. Je sais pas trop, Mimi. Allez, Charlotte, le gâteau Factor est programmé pour des gâteaux parfaits. Tu auras l'impression d'une deuxième Charlotte. Comment ça marche? C'est très facile, tu lui mets un bonbon au citron dans la bouche et tu lui dis quoi faire. D'accord. J'ai besoin de 75 milliardises à la pêche. 75 milliardises à la pêche, confirmé. D'habitude, je mélange avec ma cuillère porte-bonheur et ensuite... Cuillère porte-bonheur, données inconnues. Activation du mélangeur à doigts. Bon, après le fiasco du four, j'étais sceptique à l'idée d'une nouvelle invention de Mimi. Mais ce gâteau Factor fait bouger les choses. Les gâteaux doivent cuire pendant 30 minutes. La perfection prend du temps. 30 minutes, données inconnues. Activation des mains de cuisson rapide. Ok, tu les as cuits en un rien de temps, mais ne te précipite pas pour mettre les pêches et la crème. Là, il faut de la finesse. Bienvenue à la ravissante fraise roulante. Un beignet aux pommes, s'il vous plaît. Je suis désolée, sorbet miel d'acacia, mais nous n'avons plus de beignets aujourd'hui. Rupture de stock, données inconnues. Protocole d'urgence pour les beignets aux pommes. On dirait que tu n'as pas besoin de moi. Je vais juste faire une petite pause, d'accord? Petite pause, données inconnues. D'accord, elle ne s'arrête jamais. Quel genre de cuisinière suis-je si un robot peut faire mon travail mieux que moi? Au final, je ne suis pas aussi douée que je le croyais. Mademoiselle Charlotte, mon beignet est différent aujourd'hui. Oh, le gâteau Factor n'a pas mis le soupçon de cannelle que tu aimes. Hé, Charlotte, cette version métallique de toi a mis des fraises sur ma tarte. Et je n'ai pas eu mon supplément de sucre en poudre. Je suis désolée, voici une nouvelle part de tarte sans fraises. Et le supplément de sucre en poudre, le voilà. Ingrédients supplémentaires, données inconnues. Article imparfait, données inconnues. Nos gâteaux ne doivent pas être parfaits, Gâteau Factor. Ils doivent seulement être faits avec amour. Et ça, c'est la touche de Charlotte aux fraises. Touche de Charlotte aux fraises, données. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que nos gâteaux ne devaient pas être parfaits, qu'ils devaient juste être faits avec amour et... elle a explosé. De l'amour? Piste à suivre. Mimi, je crois qu'il vaut mieux que je fasse les gâteaux toute seule. T'inquiète pas, je viens d'avoir une autre idée. Laisse-moi deviner, le gâteau Factor 7? Quelque chose comme ça. Mamie Confiture dit que l'ingrédient le plus important de tout plat, c'est l'amour. Sauf s'il s'agit d'une tarte aux groseilles. Alors là, ce sont des... groseilles à macro, nutritives, délicieuses. Elles me donnent de l'ambition. Je m'entraîne pour le cerisaton de la grande pomme. Et rien ne me donne plus d'énergie qu'un smoothie à la groseille. Il me faut des groseilles d'une qualité exceptionnelle pour réussir cette recette. Heureusement, Fleur d'Oranger m'a dit qu'il n'y a... qu'un endroit dans la cité de la Grande Pomme pour trouver de bonnes groseilles. L'échoppe de fruitiers de Monsieur Mangoustine. Bonjour, bonjour, Monsieur Mangoustine. Bonjour, les filles. Que puis-je faire pour vous? Des groseilles à macro, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais j'ai déjà tout vendu. Et les dernières sont pour Madame Crumcake, loin à l'autre bout de la ville. Oh. Oui, c'était une grosse commande, mais j'imagine qu'il lui restera sûrement assez de groseilles pour seulement une autre préparation. Oh, voilà mon livreur qui s'en va.
détails doivent être pour toi. C'est toi qui m'as parlé de Monsieur Mangoustine. Oh non, c'est à toi qu'elles doivent revenir, j'insiste. Ok, ciao. Sérieusement? Tu as insisté? J'ai insisté parce que je pensais que tu insisterais un peu plus en retour. Wow, Fleur est rapide. Sur votre gauche, vous pouvez voir une demoiselle qui n'aura pas de groseille à macro aujourd'hui. Non, pas de photo. Waouh! Charlotte est vraiment pleine de ressources. Waouh! Ai-je mentionné que Fleur est rapide? Mais elle n'arrivera pas à battre un bus, n'est-ce pas? S'il vous plaît, dites-moi que non. Je te garderai quelques groseilles. Ah oui, c'est... Il y a vraiment beaucoup de monde ici, n'est-ce pas? Ça, tu peux me dire. Des rollers? C'est de la triche! De la triche? Attends, t'as bien pris le bus, toi? Là, t'as marqué un point. J'ai besoin de roues. Bonjour les filles, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je veux des groseilles. Si j'en trouve pas, je ne pourrai pas faire ma tarte et je perdrai confiance en moi pour toujours. Oh mon Dieu, j'allais justement les utiliser pour faire du jus de fruits pour ma petite fille. Mamie Crumbcake dit que le jus de groseille va me rendre grande et forte. Tu sais quoi? C'est pas si grave que ça. Je crois qu'on s'est trompé de maison. Au revoir et bon jus de groseille. Dis donc, c'était bizarre. Oui, c'est sûr. T'es montée sur une autruche. C'est exact. Je crois qu'on s'est un peu emporté. Aucun fruit ne vaut la peine qu'on en arrive là. Entièrement d'accord. Mais maintenant que j'y pense, je pourrais très bien faire une tarte aux baies de sureau. Oh oui, elles ont la même valeur nutritionnelle que les groseilles à maquereau. J'en ai vu un bocal chez Mangoustine, mais un seul.